Les amis, bienvenue dans le DLC de Valhalla. Je sais qu'il y en a qui détestent que je dise ça. Assassin's Creed Valhalla. La colère des druides, mon pote. Écoute, aujourd'hui, on va récupérer la toute nouvelle meilleure arme du jeu. Oui, tout simplement. Au-dessus de la lance d'Odin, d'Excalibur, marteau de Thor, tout ce que tu veux, c'est au-dessus de tout. Vraiment. Écoute, on va la récupérer sur un boss. Je te montre la localisation de tous les trucs à faire. Bah oui, il va falloir faire des trucs. Crois pas, tu vas pouvoir aller à un endroit où ouvrir un coffre, récupérer l'arme. Non, non. Va falloir que tu sues un peu du cucu. Et on va tuer ce boss. On va la récupérer l'arme. Et je vais la tester sur les nouveaux Drained qui sont de niveau 400 et quelque chose. Ça dépend de ton propre niveau, je crois. Moi, ils étaient niveau 459. Écoute, drop-moi un like. Sinon, t'es pas très gentil. Ok, pour récupérer cette nouvelle lance, les amis, Galbolga, il va falloir terminer le DLC. Ça, c'est la première étape, les amis. Pourquoi? Parce qu'il va falloir tuer les tout nouveaux membres de l'ordre. Il y a des nouveaux membres de l'ordre en Irlande. Tu vas débloquer le truc de l'ordre en faisant le DLC au bout de 2 heures, 3 heures. Tu vas débloquer ça. Donc, de toutes les manières, je te conseille de finir l'histoire principale. Parce que, en finissant l'histoire principale, tu tues ces nouveaux membres de l'ordre qui sont que tuables pendant cette quête principale. Et après, il va falloir tuer ceux qui sont optionnels. Et donc, je vais te donner la localisation de ceux qui sont optionnels. Si tu veux la localisation de tous les indices, de tous les tous les nouveaux membres de l'ordre, je te mets le premier lien dans la description. C'est une vidéo en anglais, mais on s'en fout de l'anglais, puisqu'il te montre la localisation. Et en plus, je crois, hein, que tu n'as pas besoin des indices, en fait. Tu vas direct à la localisation, tu butes le mec et c'est bon. On s'en fout des indices. Moi, tous ceux qui ont été optionnels, c'est-à-dire il y en a 4 ou 5 des membres de l'ordre optionnels, rien à faire des indices. Je suis allé là-bas, c'est toi, c'est la même gueule. Ouais, chut, flèche dans la gueule, terminé. Tu le tues, au revoir les indices. Je vous montre ça tout de suite, les amis. Comme vous le voyez, là, j'ai les 5 membres de l'ordre. Eux, ils sont dans la quête principale. Donc, tu fais la quête principale, de toutes les manières, ils vont décéder. Il m'en reste 4. Ces 4 là sont optionnels, mais tu es obligé de les tuer pour avoir l'arme. Donc, bah, je te montre la localisation. On va partir d'en bas, le murmure. Le murmure, il se trouve... Alors, ah oui, je ne connais pas les nouveaux noms de zones. Il se trouve dans le marais de Midhe. M-I-D-H-E. En plein dans le marais, c'est un type, un druide, qui se balade avec son facochère. Je te montre la localisation où je l'ai trouvé. Il peut se balader un petit peu. Donc, tu fais le corbeau. Si tu vois un mec se balader avec un putain de cochon, c'est lui. Tu le butes, tu le termines par terre. Terminé. Ok, le deuxième, c'est le frêne en bas à gauche. Lui, il est dans une grotte toute à l'ouest de la map, dans la région de Konachk. À gauche. Il est à gauche dans cette grotte, ok? Tu vas dans cette grotte, t'as un druide qui fait la drogue là, c'est lui. Tu le ken. Ok, le cerf, les amis, c'est une femme. Elle se trouve près du Grand Lac, dans la zone Ulster. Je suis allé la voir sans indice. Hein. Tout ce que je vous dis là, je m'en bats les steaks de indices. Je suis allé à la localisation. Je les ai butés. Elle se trouve dans la ville et elle est dans un espèce d'avant-poste près de l'eau. Elle se balade à côté des soldats. Elle est cramée. Kenla, terminé. Ok, maintenant le flambeau. Écoute, lui, il se balade tout seul avec son sanglier aussi. Et c'est aussi dans la zone d'Ulster. C'est juste en dessous, en bas à gauche d'un point de synchronisation. Il se balade aussi un petit peu. Bon, il se balade pas très loin. Hein. Tu vois un mec, un espèce de paysan avec une putain d'épée et un facochère. C'est ce gars-là. La dernière que je te montre, c'est l'araignée. Elle se trouve à Dublin. Elle est juste en dessous du marchand. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? C'est une meuf, elle est en dessous du marchand. Blesse dans la gueule, terminé. T'as tué tous les membres de l'ordre, bien joué à toi. Quand t'as tué tous les membres de l'ordre, tu vas pouvoir débloquer ce combat de boss. C'est le nouveau gros boss du jeu, hein, tout simplement. Il est max level. Il est big, il est gros. Bon, mini spoiler, mais de toute façon... Hein, tu t'en fiches, hein? Non? Si, si, tu t'en fiches. Écoute, tu vas retourner voir la sorcière, la druidesse, et elle va te faire boire de l'alcool, hein, de la bonne drogue, et tu vas te battre contre ce... Putain, mais j'ai du mal à parler aujourd'hui, c'est un truc de ouf. Écoute, ouais, j'y arrive pas. Tu vas la voir, tu lui redonnes toutes les ambres,
et tu es parti pour battre ce boss. Et à la fin de ce boss, t'as la lance. Je te montre ce combat de boss et après, on va tester cette arme qui est gros. La lance d'Odin. La nouvelle arme, tout en haut, la base, hors cadre, hors cadre. Laisse tomber, gros. C'est parti, ma gueule. Ok, les amis, j'ai donc tué tous les membres de l'ordre. Je vais pouvoir rendre les ambres à je sais pas, la sorcière, aucune idée, cette meuf. Et on va se battre contre le plus gros boss d'Assassin's Creed Valhalla maintenant. Level 469, ma gueule. Trempé dans le sang. Ok, on va voir ça donne quoi. Ce boss, je me suis fait spoiler un petit peu. Ouais, un petit peu spoilé. Fais venir ces fragments. Prépare ta potion. Fais vite. Plus vite que ça. Je le ferai. Je m'attendais à cela depuis notre rencontre. Oh oui, depuis notre rencontre. Arrête de faire des blagues de merde, Slap. Ok. Ah ouais, ça prend toute la night. Ça marche. C'est fini. Eivor, on en a marre. Tu as parlé d'un grand pouvoir. La lance. Tu l'auras en main bien. La lance. Après avoir vaincu Balor. Après avoir vaincu Balor. Balor. Tu n'avais pas parlé de ça. Tu te souviens sûrement de... Allez, drogue-moi, drogue-moi. Donne les champignons. La sécheresse. Le soleil brûlant venu sur Terre. Je ne connais en aucun cas cette créature. Un peu plus fort le son, peut-être. Beaucoup de héros, mais pas Woden. Voilà. La lance appelée Gaibolga lui perce la chair. Gaibolga. Et c'est là son point faible. C'est ça que je veux, Gaibolga. Es-tu prête à l'affronter ? Oui. Donne, je vais boire. Donne, la boisson. Glou glou. Bois tout. Bois, je vais tout boire. Tu te souviendras. Balor est ancien. Il est le chaos incarné. Balor. Et la lance sera à toi. Ah. Ah, c'est du rhum, hein. Il est blue devant. Oh putain. Tu peux liker la vidéo pendant ce temps-là ? T'abonner si tu me connais pas ? Ok, c'est parti. Niveau 469, hein. Je suis niveau 412, 13, je sais plus. Cela fait de nombreux siècles que je t'attends. Je parle comme ça. Que je me donne un genre. Je viens chercher ton pouvoir. En combien de temps je l'éclate, les gars ? Une minute trente ? 2 minutes trente ? Allez, 3 minutes. Si tu crois pouvoir me battre, mais je vais t'éclater, regarde, t'as déjà perdu un quart de vie, bonhomme. Je veux dire, bon, fais ce que tu veux avec cette information, hein, mais... Voilà, tu pues de la merde. Ça, j'en étais sûr. Hein. Il m'a touché une fois, il... Je suis la colère du soleil. J'aurais dû tout entendre. D'accord. Non, en vrai, il est pas mal, il est plutôt stylé. Ok. Mais Ivor, je suis un demi-dieu, mec. Je suis la réincarnation d'Odin. Je crois que t'as pas très bien compris. J'ai l'esquivé, j'ai cru qu'il y avait une attaque, mais... Sa mère. Waouh, il m'a fait une attaque. J'ai encore 4 soins, gros. Il a plus de vie. Il n'a plus rien. Et où Balor, là ? Allez, ça dégage. Hop, hop. Waouh, j'ai grave mal, hein. Fou, j'ai repris un soin. Qu'est-ce que je... Ça marche pas sur lui, ça. Le harpon, on oublie. Et voilà. Oulala. Oh là là, j'ai... Oh. Yes, j'ai réussi. Qu'est-ce que c'était dur. Ça fait combien de temps? On s'est battu combien? 50 secondes. Je suis en mode difficile, hein. Elle est là, la lance, les amis. Pas mal ou pas? Je peux pas faire de photo pour ma miniature? Négatif. Ça marche. Et voilà. Galbog... Il faut que la lance crabe. La lance crabe. Tiens, pourquoi il faut que je lui parle? Pour lui dire que je lui ai éclaté la gueule dans mon trip, dans ma tête. Elle était comme ça, il va en partir. Cet affrontement fut peu banal. Tu peux enlever peu, hein. Ainsi, la lance Gaibolga est à toi. Exactement. Pour avoir écrasé les enfants. J'ai joué 6h30 au DLC. Voilà, je l'ai torché, j'ai la lance. Allez, salut. On se retrouve au siège de Paris, les gars, ok? Sera une consolation. Mais d'abord, on va tester ça. Hein. Certes, mais ok. Tu restes jusqu'à la fin de la vidéo. Sinon, je te ragrar. Hagal.
Un jour, peut-être, je te défonce. Il rejoindra dans la forêt. Et son esprit sera... Ça marche. Qui a terminé le soleil d'ambre. Ok, je vais tester ça. Je vais améliorer la lance. Tiens, on va la... Bon, je vous montrerai après quand je l'aurai augmenté. On va la comparer, etc. Je vais tuer un chicken pour finir ce gameplay. Voilà, super. Allez, salut. Ok, j'ai donc amélioré la lance à fond. On peut voir qu'elle est tout aussi puissante, voire plus puissante que la lance d'Odin. Et tu veux voir c'est quoi son bonus, mec? Mec, la foudre a un effet de choc après 3 coups consécutifs. J'ai regardé des vidéos. Ça déglingue les boss, mais de ouf. Vous voyez les barres d'endurance qu'ils ont en haut? Pouf, ça s'enlève d'un coup. Chut! On va tester ça tout de suite sur un Drain de niveau 450 qui est sur cette petite île là à gauche de l'Irlande. On va tester ça tout de suite et je pense qu'on va voir que ça t'éclate du cul, hein. Allez, rendez-vous en haut. Il est donc là, le Drain. On va voir ce que ça donne. Pour expédier ses eaux blanchies par le soleil. Tais-toi. Seul. Bla bla bla. Il a des faucilles. Je vais t'affronter. Ce soir, tu dormiras auprès des serpents de mer. Exactement. Je vais je te casser la gueule. Pas me laisser... C'est parti. Alors, on va mettre 3 coups consécutifs. Bon, c'est parti ou c'est comment là? J'offre cette mort à Njord. Ah voilà. Ta mort. Pourquoi ma caméra est bizarre là, je sais pas. Vous voyez, moi, mais est-ce que vous venez de voir? Regardez la barre d'endurance, elle est partie, frère. J'étais le meilleur guerrier de Torghast. Mais non. Mais mec, combien de temps? Combien de temps le combat? 15 secondes? 20? Enfin, un pêcheur m'a dit jadis que je... Ubisoft. La paix près de la mer. Ubisoft, vous avez pas compris que les doubles lances c'était overcheaté? Nerfez-moi ça! Qu'est-ce que c'est là? C'est censé être le Drain le plus dur! Ils ont rien capté, mec. Ils ont rien capté. Et le pire, c'est qu'ils ont mis des nouvelles aptitudes, là. Non, des nouvelles compétences. Deux nouvelles compétences pour augmenter les dégâts de lance. Mais qu'est-ce que vous foutez? Équilibrez le jeu! Équilibrez-le! Bon, si ça t'a pas convaincu que les doubles lances, c'est above the rest. Les amis, likez-moi cette vidéo, ça m'aide beaucoup. Abonne-toi si tu me connais pas. Et voilà, c'est bon, j'ai claqué Valhalla. C'est un gros PC, ma gueule, ça dégage.